Au cœur de Rabat, un gigantesque drapeau palestinien porté par une procession de milliers de Marocains. Un seul slogan, stop à la guerre d'extermination à Gaza, stop à la normalisation avec Israël. Toutes ces manifestations et marches organisées dans le monde entier, et en particulier celle-ci au Maroc, visent à alerter sur la situation, mais nous devons passer à d'autres étapes de soutien, à une autre dynamique qui aura plus d'impact que la marche de soutien et pour arrêter cet holocauste et ce génocide contre le peuple palestinien. Des milliers de Marocains sont sortis depuis le 7 octobre pour dire un mot qui est celui-ci. Le peuple marocain veut abolir la normalisation. Le peuple marocain manifeste depuis le 7 octobre avec ce slogan. On se demande ce qu'attend aujourd'hui l'État marocain pour abolir les accords de normalisation. Attend-il que Gaza et toute la Palestine soient complètement anéantis ou qu'est-ce qu'il attend? En 2020, le Maroc a noué des relations tous azimuts avec Israël pour la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental par les États-Unis.